Bonjour à tous, ici Cléa Sim. On se retrouve pour ce 20e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que la Castille. On s'était laissé dans le dernier épisode, guerre contre Tombouctou pour agrandir le territoire des pôles. Il va falloir augmenter ce territoire, bien évidemment, pour pouvoir s'assurer le maintien dans les grandes puissances mondiales. On n'est que 7e puissance pour l'instant, on est très très loin sur certains points. Là, il va falloir que je réaugmente ma puissance diplomatique, sinon mes vassaux vont pas être contents. Révolte des communeros. Excédés par les impôts croissants imposés par le pouvoir royal et l'exploitation de plus en plus sévère de leurs serfs par la noblesse. Les communautés urbaines puis paysannes ont formé des confréries, appelées comunidades en castillan et germanises en valencien. Leurs objectifs est d'obtenir la reconnaissance de leurs droits et l'amélioration de leur sort. Où on gagne de la... Faisons des concessions. Jusqu'à la mort de la reine. Ouais, 32 ans. C'est pas top, pas top. Et à Trèves et Brabant. Ouh, que Trèves et Brabant. Trèves ici, c'est pas trop gênant. Et Brabant, c'est tout petit Brabant, donc... C'est où Brabant? Non, ce sont deux territoires qui sont assez petits. Et en termes d'armée, où est la France? 40 000, ouais, ça serait même niveau que nous. Mais de notre côté, on a Aragon qui a quand même ses troupes et Naples. Donc ça pourrait être tout à fait intéressant. Par contre, qu'est-ce qu'elle a la France comme technologie? Comme idée surtout. Offensive et novatrice. D'accord, bah ça pourrait être intéressant pour nous d'écraser un peu la France. D'ailleurs, est-ce qu'on peut l'avoir en tant que rival, la France? Voilà, qui serait même plus intéressant. On va même leur mettre un embargo dessus. Et ça serait l'occasion rêvée. Donc le temps que toutes nos armées reviennent. Et ça pourrait être vraiment bien. Et de renforcer nos armées avec des canons. Et on n'est plus en guerre avec le Congo. Est-ce que le Congo accepterait donc si on les menace? Ah, et on perd en stabilité. On n'a pas de chance de ce côté-ci. Pas vraiment de chance de ce côté-ci. Est-ce qu'on aurait besoin quand même d'autant d'armées? Je me dis qu'il faudrait presque toutes mes armées de ce côté-ci. Ça serait peut-être bien mieux. Allez, on va continuer la prise de territoire. Mes armées qui sont pas vraiment optimum pour l'instant, hein. Ça c'est clair. Et on pourrait attaquer encore le Portugal aussi. Peut-être. Continuer la prise de territoire. Baron Pillard. Les nobles gagnent en loyauté. Alors, je vous laisse lire. Hein, efficacité commerciale ou levée militaire. Pour l'instant. Sur la Navarre. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour l'instant? Production. Ça serait intéressant d'avoir plus 1 de production. Voilà, qui devrait les calmer un petit peu. Et voyons voir ce que ça bouge sur la Navarre.
Un peu plus de gains. Très bien. Ce qui n'est pas inintéressant en soi. Par contre, je perds toujours de l'argent. Pourquoi? Compagnie des... Qu'il se débrouille, mais sans moi, si possible. Bon, on perd pas trop de ce côté-ci, et la France a récupéré des provinces de ce côté-ci. Ce qui m'embête, donc il va falloir qu'on s'attaque très sincèrement à la France. Allez, est-ce qu'on peut encore gérer? On va le faire d'ailleurs de ce côté-ci. Alors, on va augmenter ceci et ceci. Avec une meilleure artillerie, ça serait pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. L'épaule, bon, ça va plutôt. Il n'y a que Jerry qui est pas très content. Pour le moment. Et on va augmenter la croissance des populations. Et donc la France pour l'instant, ah, d'accord, a commencé à augmenter ses alliances. Hein, Trèves, Flandre, etc. Ça pourrait être plus compliqué que prévu. Si on attaque la France, voyons voir qui rejoindrait tout le monde sauf... Tout le monde sauf... Ok. Dans ces cas-là, on va prendre le Languedoc. Et on va le forcer. On va le forcer. Très sincèrement, j'ai envie de prendre le risque. Et on va voir un petit peu ce que font mes alliés. On va perdre en économie. Voyons voir ce que ça donne. Le tout, c'est de rester en fait sur des régions qui, pour l'instant, nous avantagent. Ce qui serait pas mal. Et la France a énormément de canons, ce que je n'ai pas. Donc, ça va poser quelques problèmes, je pense. Après, ils perdent des armées, moins que moi, ce qui m'embête un peu. Alors après, est-ce qu'on pourrait se permettre d'acheter plutôt dans un premier temps des mercenaires et quelques canons pour dire de renforcer notre puissance? Ok, ça marche. Ok, le Béarn est pris. Oui, ça c'est bon, c'est pas trop gênant. Par contre, ça va être gênant qu'on perde sur ce rang-là.
Pas de chance, j'ai mal joué. Mais là, le coup d'avoir perdu le... Est-ce qu'on a des revendications? Est-ce que si je demande juste une paix blanche, ils me la refuseront, je suppose. Ah, il faut arriver à prendre des avantages. On a perdu le Béarn, ça d'accord. Un conseiller est mort pour le coup. Puissance de l'espionnage, réputation diplomatique, non. Alors après, ce que j'aimerais, c'est qu'ils perdent des armées, qu'ils épuisent leurs ressources. Ce qui ne serait pas mon cas. Là, 3.4, ça serait pas mal. 5. Après, j'ai pas l'air d'avoir davantage. On a des généraux qui sont assez mauvais, faut bien l'avouer. Celui-là serait meilleur. Bien. On va peut-être calmer un peu les colonies dans un premier temps. Alors, je vais déplacer mes armées. Ah, j'ai déjà perdu tout. Ok. Bien. On va regrouper comme ça. Le souci étant, oui, c'est vraiment que j'ai du mal à gérer mes armées comme j'aimerais. Il faut bien avouer que le fait d'être en légitimité aussi basse n'aide pas beaucoup. Et le fait d'avoir un commandant qui soit pas très très bon n'aide pas non plus énormément. On va écraser déjà les armées adverses. On va voir qui on peut éliminer rapidement. Alors, de ce côté-ci. La Savoie. Est-ce que la Savoie accepterait de se rendre, de quitter la guerre? Pas vraiment. Et la France nous dépasse complètement en termes de morale, hein, ce qui est pas bon du tout. Ah, j'ai pas vu cette armée-là, si j'utilise pas toutes mes armées aussi. Voilà. Alors ce que j'essaye de faire en fait, c'est de demander le moins de troupes possible à mes armées. Pour perdre le moins d'hommes. Parce que là, c'est vrai que je fais des pertes assez colossales. Voyons voir en termes d'armée. La France a bien perdu aussi des réserves, mais elle en a plus que moi encore. Hein. Donc ce qui n'aide pas beaucoup. Ok, probabilité de colonisation, ça augmente, ça me va. On va essayer quand même de continuer la colonisation, même si c'est pas le meilleur moment pour.
Voyons voir la province. Si on arrive depuis Barcelone, les Pyrénées ou la Navarre, on passe sur la mer. Et lui, c'est un général 3-6-1. Il est génial, hein, leur général. Et on pourrait gagner en termes d'armée. Allez, voyons voir si on arrive à repousser. De ce côté-ci, satisfaire les ambitions italiennes, créer une flotte digne de ce nom, conquérir la bourg. On verra ça plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est écraser les armées françaises déjà. Ok, première victoire. Deuxième victoire. Déjà, on va pouvoir reprendre un peu plus sérieusement la main. Et de ce côté-ci, on a pris toutes les armées. C'est très bien. On va continuer de prendre les colonies, etc. Françaises, les retirer un maximum. Et d'ailleurs, il y a eu aussi une prise de territoire par ici qui pourrait m'arranger. Mais pour l'instant, on n'a rien pris de sérieux du côté. Ça, par contre, c'est pas bien du tout ce que j'ai fait. Ok, on va repousser la Savoie. Alors, est-ce qu'on a des adversaires qui... La France est en moyen pour l'instant. Ce qui n'est pas vraiment à mon avantage non plus, mais on va voir ce que ça peut donner. Avancée diplomatique. Oui, on va gagner des points de diplomatie. Le Portugal, on s'en moque un petit peu. Donc on va passer sur Tarragone pour attaquer les armées françaises. Allez, si on peut écraser les armées françaises et récupérer le Béarn au moins. Très bien, ça, belle victoire. Et on va continuer la prise. Quoique. Où vont mes armées? On va les regrouper celles-ci. D'accord. De ce côté-ci, victoire, c'est pas mal. On va essayer de prendre. Passer par les Pyrénées et Urgell. On va juste récupérer un peu mon armée temporairement. Le temps que le Béarn tombe. Et on va essayer d'éliminer petit à petit les alliés de la France. Bien. On récupère quelques armées aussi. Alors, de ce côté-ci. Ah, les emprunts, ça va y aller, hein. Pour l'instant, on va pas avoir le choix. Et là, la France perd un petit peu d'armée, ce qui est pas inintéressant.
Ah, dommage, ça va pas tenir ça. Il aurait presque fallu que j'attende pour pouvoir aider dans le Béarn. C'est dommage. Est-ce qu'on peut avoir juste une paix blanche dans ces cas-là avec la France? Il y a des revendications, la France, sur nos territoires? Ah oui, sur la Navarre, par exemple. D'accord. Donc elle pourra certainement les récupérer. Ce qui m'arrange pas beaucoup. Et on en est où en termes d'armée pour tout le monde? La France a encore un peu de marge de ce côté-ci. Ce qui n'est plus vraiment notre cas. Faudra arriver à repousser certains alliés. Notamment demander à la Savoie si elle voudrait bien abandonner. Ce serait pas mal. La Flandre aussi, où on a pris plusieurs de ces territoires, par exemple. Mais est-ce que ça me coûte autant aussi, maintenance des forteresses, la marine, les colonies? Après, on n'a pas pris de fort intéressant, donc c'est ce qui pose un peu problème. Et si mes vassaux viennent pas m'aider. Ouais, mais on peut pas t'aider, la Hongrie. On va devoir refuser. J'ai bien peur qu'on soit obligé d'abandonner quelques éléments. Et on va perdre encore, à mon avis, pas mal là-dessus. Et mes vassaux veulent pas m'aider puisque je me suis mal préparé sur cette guerre. Ce qui n'aide pas beaucoup. Ah, pas de chance. Je tombe sur l'armée française. Et les séparatistes marocains font des leurs. On va essayer de récupérer un peu d'argent temporairement. Ah mais non, mais si j'attaque avec 2000 troupes, je vais tout perdre. Voilà, j'avais pas assez de troupes, je viens de les perdre, tout va bien. Bon, c'est une catastrophe, tout simplement. J'ai mal joué. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est plutôt embêtant. Dans le sens où ben, je vais devoir perdre la guerre contre la France. Je me suis mal préparé. Je pensais, c'est vrai qu'au départ, j'aurais préféré avoir avec moi l'Autriche pour pouvoir attaquer la France, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais devoir faire sans. En tout cas, bon, j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Désolé, hein, de vous montrer un truc comme ça, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Des fois, on fait les mauvais choix. Et là, je le paye cash. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc, sur ce, bah, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!